Il est midi, alors sans plus tarder, nous allons commencer. Je me présente, je suis Marie-Claude Larouche, co-directrice du laboratoire de recherche sur les publics de la culture avec Hervé Gay. Plaisir de vous accueillir pour ce midi recherche dans des formules assez condensées, mais pour exposer les travaux en cours. Donc, bienvenue à tous nos conférenciers et je vais céder la parole à notre animatrice qui est Camille Saint-Georges, que je vous présente. Camille Saint-Georges est coordonnatrice du labo, finissante en études françaises, en profil d'études littéraires à l'UQTR. Elle se dirige à la maîtrise en lettres à l'automne, donc toujours à l'UQTR, sous la direction d'Hervé Gay. Et elle va étudier la figure du créateur dans les œuvres dramaturgiques de La Tremblay de Carole Fréchette. Donc, elle est aussi financée par le CRSH. On est très heureuse d'encourager son parcours professionnel. Donc, Camille, je te cède la parole pour l'animation. Claude, donc bienvenue à tous pour cette cinquième édition du Midi Recherche. La thématique aujourd'hui est pandémie et public de la culture. Il va donc porter sur deux recherches qui ont été menées par Synapse C en partenariat avec MITACS, l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture et finalement l'Institut, pardon, je vais le dire comme il faut, l'Institut de recherche sur les PME. Donc à ce niveau-là, justement, j'inviterai Madame Cécile Fonrouge à venir nous dire quelques petits mots pour commencer la rencontre. Eh bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis Cécile Fonrouge. Je représente l'Institut de recherche sur les PME. Nous sommes une quinzaine de chercheurs réguliers sur la PME et l'entrepreneuriat et une vingtaine de chercheurs associés et de doctorants. Je suis très heureuse de cette collaboration car, effectivement, on est plusieurs au sein de l'INR PME à travailler sur les musées et sur la culture. Pour exemple, eh bien, l'Institut de recherche sur les PME est invité à parler des jeunes pousses dans les musées le 27 mai au laboratoire Prisme du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors attention, les jeunes pousses, ce n'est pas de l'horticulture, c'est bien des jeunes entreprises qui sont généralement en forte croissance et qui appartiennent au domaine des technologies de l'information. Et on se rend compte qu'avant et depuis la pandémie, les technologies numériques sont utilisées pour améliorer l'expérience des visiteurs. Donc, vous verrez ça sur le site de l'INR PME. Donc, tous les derniers jeudis du mois, le laboratoire du Musée des Beaux-Arts de Montréal fait des conférences et invite des chercheurs pour présenter leur expérience. Et nous, à l'INR PME, nous allons parler de la place des startups, des jeunes pousses, dans les musées, parce que les jeunes pousses rentrent dans les musées, et ça fait quand même un choc des cultures. Voilà, et ben merci beaucoup pour cette invitation, et je redonne la parole à Camille. Génial, merci beaucoup, Mme Fonrouge. Avant de poursuivre, je demanderai à tout le monde de bien vouloir éteindre leur micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend des petits bruits de fond qui viennent un peu déranger. Merci. Donc, je remercie tous nos participants qui sont ici aujourd'hui pour participer au Midi Recherche, qui ont accepté de se prêter au jeu. Le Midi Recherche, qui est une formule très, très rapide où des membres du laboratoire viennent présenter leurs travaux scientifiques en cours. Tout ça pour favoriser les collaborations entre les membres et donc les discussions entre des membres de différentes disciplines. Aujourd'hui, notre formule est un petit peu différente parce qu'on a seulement deux présentations. Je répète à tous que vous aurez au maximum 20 minutes pour présenter votre projet. Puis ensuite, on aura une période d'interaction d'environ 10 minutes qui va suivre. Je vous demande de respecter le plus possible cette limite de temps-là. Moi, de mon côté, je vais vous inscrire dans la zone clavardage 1 minute avant la fin de votre présentation, qu'il vous reste 1 minute pour présenter pour que vous puissiez conclure sans que j'aie à vous interrompre non plus, ce qui serait un petit peu dommage. Donc, si vous me permettez, je vais partager mon écran et vous montrer le plan de match de la rencontre. Je vais mettre ça plein écran. Et voilà. Donc, nous commençons aujourd'hui. Nous avons une présentation de Frédéric Lorrain et William Nichols de l'Institut de recherche sur les PME qui nous présente l'impact économique de la COVID-19 sur le secteur des arts et de la culture. Par la suite, on aura Hervé Gay, accompagné de Claudia Barbara, Sylvie Trudel et Luc Drapeau, qui viendront nous présenter Public des arts de la scène au Québec et COVID-19, une étude à deux volets. Donc, je commence sans plus tarder parce qu'il faut respecter nos temps quand même. Donc,
Je vous invite d'abord, cher public, à utiliser la zone clavardage si vous avez des interactions, des commentaires, des remarques à faire pendant les présentations. On pourra y rebondir pendant la zone, pendant le moment d'interaction après les présentations. Moi, de mon côté, j'invite Frédéric et William à se préparer à présenter et moi, je vous les présente pendant ce temps. Donc, Frédéric Lorrain est un professeur d'économie à l'Institut de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur à l'Institut de recherche sur les PME. Ses recherches portent en particulier sur le développement économique régional et le commerce international. Il a notamment travaillé sur l'importance des arts et de la culture pour le développement régional. À titre de chercheur, il a coopéré avec des institutions telles que la Caisse de dépôt et de placement, Investissement Québec et Développement économique Canada. William, quant à lui, est finissant au MBA en gestion des PME à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est également étudiant au DESS en finance dans la même université, tout ça dans le but d'ajouter des cordes à son arc. Il a participé à l'étude sur les effets de la COVID-19 sur les arts et la culture et la transformation des organisations culturelles en tant qu'assistant de recherche pour Frédéric. Donc, messieurs, je vous laisse la parole et l'écran si vous avez un support visuel. Oui, donc on aurait besoin que je me connecte. Et voilà, je présume que tout le monde voit bien et tout le monde entend bien. C'est parfait. On a réalisé une enquête sur l'impact de la COVID sur les arts et la culture, mais aussi sur la transformation des organisations culturelles, en fait, du milieu culturel. Puis je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus là, aujourd'hui. Pourquoi? Bien, parce que, comme vous voyez, la conférence est en collaboration avec l'Institut de recherche sur les PME, dont je suis membre. Puis peut-être qu'on est mal nommé parce qu'on s'intéresse à la fois aux PME qu'aux PMO, petites et moyennes organisations. Qu'elle soit à but lucratif ou sans but lucratif, la logique est exactement la même. Et donc, pour beaucoup d'organisations culturelles, d'abord, c'est souvent des OSBL, puis il y en a beaucoup qui sont des petites et moyennes organisations. Donc, la logique va suivre quand même. Et c'est une enquête qu'on a réalisée auprès de 596 organisations et travailleurs autonomes qui ont été sondées là, entre le 5 octobre et le 7 décembre dernier. C'est une enquête en ligne sur SurveyMonkey qui mesure les impacts économiques, d'autres impacts spécifiques, mais surtout les actions de transformation et d'adaptation. Puis on n'est pas nécessairement dans le « se réinventer » là, qui a été perçu comme étant très insultant parfois par le milieu culturel. On est vraiment au-delà de ça. Sur les mesures de soutien aussi, et comme je vous disais, bien, ça traite autant des travailleurs autonomes qui représentent 53 % d'échantillons, ce qui est quand même assez représentatif du milieu culturel, des organismes culturels, des entreprises culturelles, des coopératives culturelles et d'autres types d'organisations. Et le sondage, le questionnaire a été inspiré d'une autre enquête qu'on avait réalisée à l'Institut de recherche sur les PME avec la Fédération des chambres de commerce du Québec en juin passé auprès de toutes les entreprises du Québec dans toutes les régions, à laquelle il y a plusieurs organisations des arts et de la culture avaient répondu. Donc, on voulait avoir la même approche de gestion pour sonder les arts et la culture dans notre tradition à l'Institut de recherche sur les PME, en adaptant évidemment le questionnaire aux réalités du milieu culturel. Donc, les premiers résultats, ça touche essentiellement à l'impact économique du confinement. Donc, évidemment que la plupart des activités culturelles sont confinées. On ne peut pas se présenter en salle, sauf dans les zones oranges, là où il y a quelques adaptations. Donc, il y a 91 % des organisations qui ont connu une baisse de leurs activités pendant le confinement. Donc, pour 69 % des organisations, c'est une baisse des activités de 50 % et plus. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est à 100 % à l'arrêt, mais vous voyez quand même que l'impact est majeur. Par rapport aux revenus, évidemment que pour les revenus autonomes, si les salles sont fermées, c'est excessivement difficile. Donc, on a 53 % des organisations qui ont connu des baisses des revenus autonomes de plus de 75 %. Là aussi, c'est majeur. Pour ce qui est des fonds privés, ça, c'est un petit peu mieux. Il y a 48 % des organisations qui ont connu une baisse des fonds privés. Et puis, pour 52 % des organisations, il n'y a pas eu de baisse. Donc, il y a quand même quelque chose, les fonds privés sont quand même maintenus dans une certaine mesure et la situation est encore meilleure pour le financement public parce qu'il y a seulement 16 % des organisations qui ont connu une baisse du financement public,
Puis il y a 50 % des organisations qui n'ont soit connu aucun changement ou même une augmentation du financement public. Donc, on voit que le financement public a en partie contribué à remplacer les baisses des autres financements. Donc, ont joué leur rôle d'absorption de la crise en partie. Il y a aussi des impacts sur l'emploi. Donc, il y a 50 % des organisations qui ont effectué au moins un licenciement. Puis, pour 29 %, c'est des licenciements entre 1 et 5 personnes. Puis c'est une moyenne de 8 personnes par organisme. Donc, là aussi, on voit que quand même, l'emploi s'est relativement maintenu, possiblement parce qu'il y avait des programmes de subventions salariales et d'autres programmes pour maintenir l'emploi. Mais on voit quand même qu'il y a un impact majeur. Puis, si on compare par industrie, quel est l'impact sur les arts et la culture, là, je suis allé chercher des statistiques de Statistique Canada pour avoir des statistiques peut-être plus à jour. On voit que en termes d'entreprises ayant subi une baisse élevée de la demande au mois d'août 2020, ça, c'est les données les plus récentes que l'on a, les arts et spectacles et loisirs, c'est le deuxième secteur le plus touché. Et si j'avais pris d'autres indicateurs sur le PIB, sur l'emploi ou d'autres mesures là, d'impact économique, ça aurait été la même affaire. Les arts, spectacles et loisirs, c'est le deuxième secteur le plus touché et de loin là. Une autre question qu'on a posée aux répondants, c'est à quel point vous êtes optimiste pour le développement de votre organisation ou pour les travailleurs autonomes, de leurs activités. Puis le niveau d'optimisme est, disons, moyen. Il n'est pas très bon, mais il n'est pas non plus très mauvais, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, pour les organismes, c'est un indice moyen de 3,7, c'est-à-dire qu'on leur a demandé entre 1 et 7 à quel point ils étaient optimistes ou pessimistes. 1 étant très pessimiste, 7 très optimiste. Puis le niveau d'optimiste est un petit peu plus faible pour les travailleurs autonomes, 3,2. Maintenant, on n'a pas seulement regardé les impacts économiques, on a regardé d'autres types d'impacts. Puis ça aussi, c'est un petit peu inspiré de l'enquête qu'on avait faite auprès de l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, le premier impact majeur, c'est les liquidités, c'est-à-dire la difficulté à pouvoir payer les coûts fixes, les loyers, l'électricité, les directions générales, ces choses-là. Le deuxième impact, c'est la peur d'avoir des difficultés ou des retards dans l'accès aux sources de financement public. Le troisième impact, c'est la peur, encore une fois, de perdre des commandites et de la philanthropie, donc les dons philanthropiques, etc. Puis le risque de faillite. Qui est très élevé. Puis ça, si on compare aux autres organisations dans les autres secteurs d'activité, le risque de faillite n'est pas si important que ça pour d'autres secteurs, mais pour les arts et la culture, il y avait quand même des risques ici. Parmi ce qui était peut-être moins subi, c'est la santé des employés, la santé du gestionnaire, donc sentiment d'angoisse, de découragement, d'inquiétude, santé psychologique. Puis ça semblait être moins grave, alors que si on regarde des organisations dans d'autres secteurs d'activité, c'est deux points qui sont majeurs. Maintenant, on va regarder les actions stratégiques de transformation ou d'adaptation face à la crise. Et là, on a demandé aux organisations de nous dire sur une échelle de 1 à 5 à quel point ils ont mis en œuvre ce genre d'action-là. Entre 1, on n'a pas du tout mis en œuvre, et 5, très fortement mis en œuvre. Et pour nous, ça, c'est une mesure de la résilience des organisations. La résilience pendant la crise, comment ils se transforment pendant la crise ou ils s'adaptent pendant la crise, mais aussi une mesure de résilience pour la relance économique, parce qu'il faut être bien prêt pour subir ou même profiter de la relance économique, mais de peut-être plus à moyen et à long terme, sur la résilience et la solidité en termes de gestion des organisations culturelles ou des travailleurs autonomes dans leurs activités. Donc, en ordre d'importance, les actions qui ont été le plus mises en œuvre, ça a été d'abord, évidemment, le respect des règles sanitaires. Donc, ça, c'est une évidence même. Le deuxième point, puis on en a beaucoup parlé, c'est la transformation numérique. Okay, beaucoup d'organisations, ont mis en œuvre de la transformation numérique, et c'est vrai pour les autres organisations dans les autres secteurs d'activité. Le fameux se réinventer, là on en vient, là, les nouveaux projets, services et prestations, le développement de nouveaux projets, de nouveaux services et prestations, ça arrive en troisième point. Puis les réflexions sur des nouveaux modèles d'affaires ou la mise en œuvre de nouveaux modèles d'affaires aussi, ça arrive en quatrième position. Puis ça, c'est la même chose
pour les autres secteurs d'activité. Les pratiques de gestion des RH, des ressources humaines, notamment le télétravail, donc mettre en œuvre le télétravail de façon pas juste temporaire pour la crise, mais peut-être de façon plus permanente. La collaboration entre les organisations, on est tous en état de crise, les organisations sont plutôt petites, à quel point il y a eu de la collaboration. Les réflexions sur les fournisseurs locaux, à quel point on a fait, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'achat local, hein, à quel point les organisations ont réfléchi à acheter local pendant la crise. Là, vous voyez que ça, c'est un petit peu moins important. On commence à être dans des stratégies qui ont été un petit peu moins mises en œuvre en moyenne de l'échantillon. Les activités de création au niveau des organisations, la formation de la main-d'œuvre, puis repenser à toute la chaîne d'approvisionnement, donc repenser aux fournisseurs, aux prestataires, aux contractuels. Ça a été moins populaire, disons, en termes de mise en œuvre. Puis malheureusement, je dirais peut-être le développement durable. Donc peut-être qu'en temps de crise, la priorité n'est pas au développement durable. Pour les travailleurs autonomes, on obtient approximativement la même chose, mais on avait posé quelques questions plus particulières, notamment sur la nature de leurs tâches quotidiennes. Puis on voit que ça a beaucoup évolué pour un nombre important de répondants parce qu'ils se retrouvent, par exemple, à s'improviser vidéaste ou monteur vidéo ou à faire des tâches qui, habituellement, hors crise, ne faisaient pas avant. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'acquisition de compétences, donc leur propre formation personnelle, il y en a 42 % qui ont fortement ou très fortement fait l'acquisition de compétences pendant la crise, alors que pour les organisations culturelles, c'était seulement 20 % qui ont fait de la formation de la main-d'œuvre. Puis finalement, l'accélération des activités de création, on voit qu'il y en a 33 % qui ont fortement ou très fortement fait une accélération de la création par rapport aux organisations, c'était seulement 22 % Maintenant, si on compare ces actions-là avec les autres secteurs d'activité, on s'aperçoit que les arts et la culture, en général, ont peut-être moins mis en œuvre ce genre de stratégie-là par rapport à d'autres secteurs d'activité. Possiblement parce que c'est les plus touchés. Quand on est touché, on est en train de gérer une crise, on a peut-être moins le temps de penser à ce genre de choses-là, sauf pour le développement de nouveaux produits et services, sauf pour la réflexion sur la sous-traitance locale et le développement durable. On avait vu que le développement durable, ce n'était pas très populaire, mais au moins, ce l'était un peu plus chez les gens des arts et la culture. Donc, ça nous dit peut-être quelque chose de l'identité ou les valeurs dans le monde des arts et de la culture. Là, vous avez vu là, toute une liste d'actions de transformation, d'adaptation. On a fait des moyennes par discipline pour voir à quel point ils ont entrepris ce genre d'action-là. Et les disciplines qui ont le plus entrepris des mesures d'adaptation, de transformation, bien, c'est toute la collection des autres disciplines. Là, c'est une grande catégorie qui contient beaucoup de types de disciplines. En deuxième position, il y a les arts de la scène autres. Bien, essentiellement, c'est le cirque et l'humour. Les arts de la scène, la musique, la chanson, l'industrie de la musique. Puis dans ceux qui ont peut-être fait moins d'actions de transformation, il y a les arts de la scène, le théâtre et la danse. Puis l'industrie du livre et de la littérature, parce qu'on présume que pour l'industrie du livre, peut-être que l'impact de la COVID est moins grave. On a pu continuer à vendre des livres et puis la chaîne de distribution est moins affectée. Si j'y vais plus spécifiquement sur ceux qui ont fait de la transformation numérique, là, je ne vais pas tous les faire parce qu'on n'a pas le temps, là, je pourrais vous envoyer le rapport, mais ceux qui ont fait de la transformation numérique, c'est surtout l'industrie du livre et de la littérature, la muséologie, le patrimoine et les autres disciplines. Et ceux qui en ont fait un peu moins, c'est le théâtre et la danse et le cirque et l'humour. Ceux qui ont fait la réflexion sur la transformation du modèle d'affaires, donc le fameux se réinventer, ça a été surtout cette grande catégorie des autres disciplines. L'éducation et la médiation culturelle, la chanson et l'industrie de la musique. Puis ceux qui en ont fait un peu moins, c'est les arts médiatiques, cinéma, vidéo, radio, diffusion et les arts visuels. Donc, pourquoi c'est comme ça, si on ne le sait pas, on pourra peut-être éventuellement explorer. Mais pour le moment, c'est les données brutes que l'on a. Peut-être que vous avez déjà des réflexions qui vous viennent en tête. Maintenant, on va continuer à parler un petit peu de résilience des organisations. Je me suis demandé s'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont dirigeantes d'organisations, des hommes. Puis même chose pour au niveau des travailleurs autonomes, il y a des femmes et des hommes. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en général,
les femmes ont procédé à plus d'actions de transformation et d'adaptation que les hommes. Mais il n'y a pas de différence significative en termes statistiques, sauf pour la transformation numérique, où là, on peut dire que les femmes ont peut-être procédé plus à ce genre d'action-là que les hommes, et pour la formation de la main-d'œuvre. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas encore, c'est peut-être à creuser. Une autre question qu'on pose systématiquement presque dans toutes nos enquêtes qu'on fait à l'Institut de recherche les PME, on sait que ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point les PME sont proactives, leur qualité de gestion, leur qualité de leadership, leur niveau stratégique, puis tout ça. Et ça, c'est des dimensions qui sont très difficiles à mesurer. Puis il faudrait presque faire un questionnaire à part pour accumuler suffisamment de questions pour pouvoir mesurer ça. Dans un questionnaire comme celui-là, on n'a pas de place pour le faire. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la question, est-ce que vous faites de l'innovation, puis est-ce que vous faites de la recherche et du développement? Et souvent, ça, c'est très corrélé, c'est très lié aux organisations qui sont les plus proactives, qui ont une bonne qualité de gestion, font de la formation de la main-d'œuvre, qui ont une planification stratégique, etc., etc. Donc, c'est comme une espèce de détour pour mesurer tous ces éléments-là. Puis, il se trouve que dans les arts et la culture, il y a 63 % des gens qui font de l'innovation. Et ça, il y a peut-être des gens qui vont être surpris. Nous, on n'est pas surpris, mais peut-être des gens qui vont être surpris de savoir ça. Puis effectivement, que si on compare ceux qui font de l'innovation avec ceux qui ne font pas d'innovation, ceux qui font de l'innovation ont tendance à faire plus d'actions de transformation et d'adaptation. Donc ici, là, en vert, c'est toutes les différences significatives. Donc, ça veut dire que ceux qui font de l'innovation font plus de transformation numérique, réfléchissent plus à la transformation de leur modèle d'affaires, à développer des nouveaux produits et services, à faire de la formation de la main-d'œuvre. Et globalement, le dernier élément en bas, l'indice d'adaptation et de transformation, qu'on prend toutes les actions ensemble dans un indice composite, ceux qui font l'innovation souvent procèdent plus à ce genre d'action-là. Puis si on regarde la recherche et le développement, et là, on a ajouté création pour les organisations culturelles, parce que de la création, c'est en quelque part de la recherche et du développement, 66 % en font. Puis là aussi, ceux qui font de la R&D ont plus tendance à procéder à des actions d'adaptation et de transformation. Donc ici, on a vraiment une vision peut-être plus de gestion des organisations, mais c'est tellement important parce que il y a le côté création, le côté artistique qui est très, très important, qui est la raison d'être des organisations culturelles. Mais il faut aussi avoir derrière des organisations qui sont solides, particulièrement considérant la fragilité de ce milieu-là et de toutes les difficultés qui ont attrait à ce milieu-là. Maintenant, ceux qui ont eu aucun arrêt ou même une augmentation de leurs activités pendant la pandémie, c'est surtout elles qui ont mis en place ces actions de transformation et d'adaptation. Puis nous, on aurait aimé voir le contraire. Plus on est en difficulté, plus il faut faire d'efforts pour essayer d'avoir de la résilience. Mais à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que c'est surtout ceux qui ont été les plus touchés, qui ont peut-être dû avoir à gérer la crise, qui ont peut-être eu probablement moins le temps de faire ces actions-là. Ceux qui ont eu un chiffre d'affaires plus élevé ont fait plus de transformations pour toutes sortes de raisons. Ceux qui ont été les plus optimistes aussi ont fait plus d'actions de transformation. Puis ceux qui ont reçu plus de soutien gouvernemental aussi, donc surtout les mesures COVID. Donc, possiblement, c'est grâce à ces soutiens gouvernementaux-là qu'ils ont pu avoir le temps et l'argent pour mettre en œuvre des actions. Et ceux qui ont le plus grand taux d'approbation sur le fait que les soutiens gouvernementaux ont répondu à leurs besoins ont aussi fait plus d'actions de transformation. Par contre, l'âge du dirigeant principal ou l'année de création de l'organisation, on pensait peut-être que les organisations plus matures, plus âgées, allait avoir peut-être plus de maturité pour ce genre d'action-là, mais ça ne joue pas du tout. Donc, l'âge et l'année de création ne jouent pas. Encore une fois, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? C'est à creuser. Donc, on a beaucoup de données. S'il y a des chercheurs qui sont intéressés, écrivez-nous parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire là avec ça. Maintenant, sur un autre sujet que la résilience et les actions de transformation et d'adaptation, on a posé un certain nombre de questions sur les mesures gouvernementales de soutien face à la crise de la COVID, que ce soit des mesures fédérales, provinciales, municipales. Puis, il y a 65 % des organisations qui ont reçu ce genre d'aide-là et 62 % des travailleurs autonomes. Maintenant, si on compare ça aux autres secteurs d'activité,
de 65, ou si on fait une moyenne entre les deux, là, 65 pour les organismes, 62 pour les travailleurs autonomes, on est autour de 63-64. 63-64, c'est un pourcentage beaucoup plus faible que les autres secteurs d'activité. Or, c'est le deuxième secteur le plus touché, mais c'est un des derniers secteurs en termes de bénéficiaires de l'aide gouvernementale. Donc là, ici, on voit qu'il y a un problème manifeste. Puis, si on regarde sur une échelle de 1 à 7, à quel point les gens sont d'accord avec le fait que les mesures gouvernementales contribuent à les aider pendant la COVID, 1 étant ça ne nous aide pas du tout, puis 7, c'est parfait pour ce qu'on a besoin, bien, la moyenne de l'indice pour les organismes est seulement de 2,9 sur 7, ce qui est très faible. C'est encore plus faible pour les travailleurs autonomes, 2,31. Donc, on voit que les gens, en général, en moyenne, constatent que les mesures ne correspondent pas aux besoins du milieu culturel. Et là, je pense que je ne vous apprends rien là, pour ceux qui sont dans le domaine. Puis, si je compare ça, cette mesure-là, aux autres secteurs d'activité, bien là encore, le degré à quel point on pense que les mesures répondent aux besoins du secteur, les arts et la culture, c'est parmi les derniers, parmi les autres secteurs d'activité, alors que c'est le secteur le plus touché. Donc, on aurait dû d'abord pouvoir répondre aux besoins du secteur le plus touché. Puis pourquoi les gens n'ont pas reçu d'aide gouvernementale ou critiquent le fait que les aides ne répondent pas nécessairement aux besoins? Bien, c'est parce qu'ils se pensaient inéligibles. Il n'y a pas de programme pour leur type d'organisation. Des organisations qui tombent entre deux chaises. Oh, pardon, excusez-moi. Parce que sont entre deux disciplines ou des choses comme ça, parce qu'ils pensent que ce n'est pas adapté au secteur, parce que les travailleurs autonomes, c'est des situations tellement particulières que souvent, ils ne répondent pas au programme, par la complexité des demandes et de la bureaucratie derrière, puis parce que le système est inadapté au contexte d'urgence, c'est-à-dire souvent, des jurys par pair, ce n'est pas fait pour répondre à l'urgence. Puis souvent, les subventions sont à la création ou à la diffusion. Puis le problème de la COVID, ce n'est pas le temps de créer, c'est le temps de sauver les meubles. Puis il n'y avait plus rien pour sauver les meubles dans ces programmes-là. Puis la plupart des gens ont dit, si vous voulez faire un programme, déconfiner les arts et la culture, c'est la meilleure façon de nous faire, d'assurer notre résilience. Donc voilà, merci beaucoup. Génial, merci Frédéric, j'allais justement vous arrêter m'interrompre. Pour dépasser notre temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Avant qu'on enchaîne avec les interactions, je vous rappelle que vous pouvez lever la main si vous désirez parler, je vais vous donner la parole ou simplement écrire dans la zone de clavardage. À ce niveau-là, on a eu beaucoup de réactions pendant la présentation, donc d'abord on a Nathalie qui nous disait « La santé est peut-être considérée moins critique parce que les organismes et travailleurs du secteur vivent constamment dans l'incertitude année après année. » Peut-être que Frédéric, vous voulez rebondir sur ça? Oui, bien, j'essayais de comprendre pourquoi c'était comme ça, mais il faut dire que c'était au mois... Ça, cette donnée-là venait du mois de juin passé, pour que je puisse faire des comparaisons avec les autres secteurs d'activité. On essayait de comprendre. Donc là, je viens d'avoir une explication logique. Je me suis dit aussi peut-être que il y a des mécanismes d'aide. Même si les gens se sont montrés très insatisfaits, il y a quand même des mécanismes d'aide qui ont toujours été existants et qu'on sait qu'ils sont là. Tandis que si on est en entreprise privée, si on se reporte au mois de juin passé, une entreprise privée, il y a des subventions pour acheter des équipements, pour faire l'innovation, mais pour venir sauver les meubles, il n'y a rien. Donc, peut-être qu'il y a eu le réflexe que le secteur culturel s'est dit, mais on sait qu'on a quelque chose qui existe, on a un système qui va peut-être absorber, ça va probablement être très imparfait, mais le système existe. Mais encore là, vous avez des réponses, on est à l'écoute, et puis ça peut ouvrir aussi des sujets de recherche intéressants sur la santé mentale, sur la santé psychologique, sur les impacts de la COVID. Je sais que j'ai des collègues à l'école de gestion qui ont travaillé sur ces choses-là, mais qui n'était pas propre aux arts et la culture. Merci beaucoup. Julie, je vous laisse la parole. Merci. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez étudié les différences entre les régions, par exemple, Montréal versus toutes les industries culturelles en région? Là, parce que moi, je fais une étude sur l'industrie culturelle en Outaouais, là, puis il y a des problématiques qui sont très, très spécifiques et qui ne se présentent pas, par exemple, à Montréal. Donc, je me demandais si vous aviez étudié cette différence-là.
Ça, c'était mon rêve parce que ma spécialité, c'est le développement régional. Puis malheureusement, on n'a pas assez de répondants par région administrative pour faire des analyses statistiques. On en a dans chacune des régions administratives, mais ce n'est pas un nombre suffisant là, pour faire de l'analyse. Puis ça, c'est un gros, gros problème que l'on a. Peut-être qu'on pourrait le faire avec l'autre enquête qu'on a faite au mois de juin, il faudrait voir. Mais pour le moment, c'est impossible, malheureusement. Sinon, je nous retourne encore une fois dans la zone clavardage. Il y a Pascal qui nous disait, donc c'est une présentation très intéressante, des données très intéressantes, mais que toutefois, sur le terrain, on assiste à des changements majeurs, la troisième vague ayant provoqué plusieurs départs de direction, artistique, générale, voire les deux, dans les organisations culturelles, les personnes en place ne souhaitant pas rester en poste, force d'usure. Donc, je ne sais pas si, Frédéric, tu avais envie de rebondir sur ce commentaire-là. Bien, ce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient dans les commentaires, c'est que les aides gouvernementales n'aidaient pas les directions générales. Ça ne couvre pas les frais des directeurs généraux, notamment. Puis, quand on a nos fonds, nos revenus qui diminuent, on se retrouve avec des problèmes financiers quand même assez graves. Et le système a comme mal répondu, puisque j'ai souvent dit, c'est que en fait, le gouvernement aurait dû au départ intervenir comme un assureur collectif face à une catastrophe qui est la pandémie, puis venir juste absorber tous les frais des organisations dans un premier temps, puis après ça, de commencer à faire des programmes qui sont plus dans la résilience, dans la transformation et des programmes de relance. Donc, il n'aurait pas fallu se poser de questions de dire, bien là, pourquoi vous allez faire des dépenses, tout ça, de dire, on va absorber le choc. De la même façon que si notre maison passe au feu ou notre voiture est volée, l'assureur nous donne une autre voiture ou vient faire les réparations automatiquement. Puis après ça, on voit comment on peut améliorer les choses. Puis ça, c'était un autre aspect qu'on pourrait travailler. Puis ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être un deuxième coup de sonde à un moment donné aussi. Parce qu'il y a la troisième vague. Dieu sait s'il y aura une quatrième vague, on va toucher du bois. Je m'en vais me faire vacciner tantôt. Mais c'est effectivement, ça, c'est le plus gros problème. Ça, c'est un des plus gros problèmes. Puis le deuxième plus gros problème, c'est que vous avez vu que le taux de chômage en Mauricie est rendu en bas de 5 %. Donc, comment on va faire pour déconfiner les arts et la culture s'il n'y a plus personne qui est disponible pour travailler? Et puis, il faut déconfiner aussi les restaurants là où c'est fermé, puis d'autres secteurs. Donc, ça aussi, ça va être un très, très, très gros défi là, pour la relance. Génial. Marie-Claude nous demande, dans la zone clavardage, comment s'est fait le recrutement des répondants? Ce qu'on a fait, est-ce que William, tu peux répondre à ça? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, on a demandé à Synapse de diffuser le sondage en ligne à tous ses contacts. Puis eux, ils ont des contacts dans les plupart conseils régionaux. Puis on a relancé plusieurs fois les conseils régionaux pour le partager à leurs membres, pour avoir plus de données dans les régions. Puis finalement, on sait ce que ça a donné. Le Montréal-Québec a eu plus de données. Fait que c'est ça. Parfait, merci. Je donnerai la parole à Eric maintenant. Bonjour Frédéric. Donc, merci beaucoup pour ta présentation, c'est très intéressant. J'ai été particulièrement interpellé par les statistiques en lien entre l'inadéquation des mesures gouvernementales et la perception du milieu. Puis, je dirais que dans le réseau des conseils de la culture, on est très préoccupé justement par les besoins actuellement qu'a le milieu pour la relance du secteur culturel. Donc, il y a peut-être un travail qu'on pourrait faire en collaboration avec vous. Puis pour accumuler de l'information dans les régions, je pense que ça serait peut-être bien qu'il y ait un pont qui soit fait avec notre réseau, donc le réseau des conseils de la culture, qu'on soit partenaire de ce type d'entente-là. Puis nous, on réunit environ 5000 intervenants culturels à travers les régions du Québec, puis on a un lien direct avec eux. Donc, ça serait peut-être une bonne stratégie là, pour rejoindre plus largement le milieu culturel et d'avoir des données régionalisées. On prend bonne note. Parfait. Merci beaucoup, Eric. Désolé, moi, je dois poursuivre parce qu'on avance quand même très vite dans le temps. Donc, je passerai déjà à notre prochaine présentation. Je vous repartage à nouveau le PowerPoint.
Parfait. Donc, on poursuit avec Hervé Gay, Closa, Barbara, Céline Trudel et Luc Drapeau, que j'invite à se préparer. Pendant ce temps-là, je vais vous les présenter. Hervé enseigne au département de lettres et communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a dirigé le collectif L'interprétation du réel, théâtre documentaire au Québec chez Nota Bene en 2019 et est l'un des auteurs de l'ouvrage Le théâtre contemporain au Québec 1945-2015 aux presses de l'Université de Montréal en 2020. Il est le président de la Société québécoise d'études théâtrales de 2011 à 2015, le co-directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise de 2019 à 2021. Il a fondé le LRPC en 2015 et est à la tête de la revue Tangence depuis 2012. Claudia Barbara, quant à elle, est une étudiante à la maîtrise en lettres au profil culture et numérique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis près de 15 ans, elle est consultante dans le domaine du marketing numérique et est nouvellement responsable des communications chez Synapse C. Luc Drapeau, quant à lui, fait un retour aux études à la maîtrise en lettres dans le même profil, encore une fois à l'UQTR. Donc, après avoir occupé pendant ce temps-là des postes tels qu'animateur à la vie spirituelle et à la vie communautaire au Cégep de Saint-Hyacinthe, adjoint aux communications et à l'édition aux éditions d'or Le Sabord, et s'être impliqué à titre de chroniqueur culturel bénévole au journal La Gazette de la Mauricie, il continue d'explorer diverses avenues créatives amalgamant écriture, musique et multimédia. Donc, je vous cède la parole et l'écran si vous avez un support visuel. Merci beaucoup, Camille. Oui, on va avoir un support visuel. Je vais faire l'essentiel de la présentation, mais je voulais absolument souligner la participation de ces deux collaborateurs vraiment essentiels pour cette recherche. Donc, voici, je vais vous partager mon... Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, c'est parfait, oui. Excellent. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Public des arts de la scène au Québec et COVID-19, une étude à deux volets ». Vous avez compris tous qu'il s'agit d'un volet quantitatif et d'un volet qualitatif. Et voyez l'équipe de recherche qui a pris part à cette étude. Et vous voyez aussi les organisations qui nous ont appuyés dans la conduite de cette recherche. Vous connaissez tous le contexte de la recherche, c'est-à-dire les conséquences assez désastreuses de la crise de la COVID-19, ces conséquences qui ont durement touché les arts de la scène. Et il y a certains sondages qui démontraient la méfiance du public à l'égard d'un retour dans les salles de spectacle. C'est ce qui nous a convaincus, avec les partenaires Synapse C et Mitax, de la nécessité d'entreprendre une étude sur les comportements des publics. Ici, on parle du théâtre, de la danse et du cirque avant, pendant et après la pandémie. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les faits saillants des volets quantitatifs et qualitatifs de cette étude qui nous fournit des données susceptibles d'aider à la relance et au repositionnement des diffuseurs et des producteurs en art de la scène au sortir de cette crise. L'hypothèse de cette recherche, on prévoyait dans cette recherche que les principaux facteurs qui allaient influencer le comportement du public étaient son engagement à l'égard des arts de la scène et les mesures organisationnelles et sanitaires adoptées par la direction des salles. C'est pourquoi, quand on a choisi le public cible de ce sondage, on s'est adressé à des habitués des arts de la scène et non pas au grand public ou au non-public. Maintenant, la posture épistémologique du chercheur principal, contrairement à Frédéric, dont on a vu l'expertise très grande dans les statistiques, moi, je suis relativement nouveau dans la conduite des sondages, qu'ils soient de nature quantitative ou qualitative, étant moi-même surtout un spécialiste de l'esthétique théâtrale et des théories de la réception, comme vous l'avez un petit peu vu par les derniers ouvrages que j'ai publiés. C'est donc l'esthétique qui m'amène à m'intéresser au comportement des publics et aux données sur la culture. Mais bien sûr, comme chercheur en études théâtrales et en histoire culturelle, je travaille souvent avec toutes sortes de données qui touchent la culture. Toutefois, mis à part une grande étude sur la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène et une étude qualitative des non-publics de 4 salles de Trois-Rivières, je suis plus familier des textes et des spectacles que des statistiques. Alors, si il y a des petits flottements, vous me pardonnerez. Sur le plan de la méthodologie, cette étude à deux volets a été menée conjointement par le laboratoire de recherche sur les publics de la culture de l'UQTR, Synapse C, tandis que le financement a été fourni par Mitax. Au plan méthodologique, cette étude a été effectuée à l'aide des listes de spectateurs de 9 organismes de théâtre, de cirque, de danse ou encore multidisciplinaires, 4 étant situés dans la métropole et 5 à l'extérieur de Montréal.
Au total, 2445 personnes ont répondu au sondage. Et de ce nombre, 1325 se considèrent d'abord comme des amateurs de théâtre, 667 comme des amateurs de cirque et 456 comme des amateurs de danse. Et pour ce qui est du volet qualitatif, on a mené des entretiens par focus group dans la deuxième semaine de décembre avec 11 spectateurs qui s'étaient portés volontaires pour participer à ces groupes de discussion. Allons-y tout de suite par les constats généraux. Pour ce qui est du premier volet, même si les spectateurs des arts de la scène ont changé leur consommation culturelle durant la pandémie, ils désirent renouer rapidement avec leurs anciennes habitudes, c'est une bonne nouvelle. Et pour ce qui est du volet 2, même si les spectateurs des arts de la scène ont essayé des captations numériques, ils continuent à préférer voir des spectacles en salle. Donc, dans un premier temps, je vais commencer avec le premier volet quantitatif et par la suite, j'enchaînerai avec le volet qualitatif. Pardon. Donc, si on en vient aux statistiques, environ 6 spectateurs sur 10 ont changé beaucoup ou énormément leur consommation culturelle durant la pandémie. D'ailleurs, ils sont aussi nombreux à être prêts à retourner immédiatement ou dans quelques semaines voir des spectacles en salle. De plus, près de 3 spectateurs sur 4 pensent retourner au théâtre, au cirque ou à la danse au même rythme qu'avant ou à un rythme accéléré quand la pandémie sera terminée. Donc là-dessus, il n'y aura pas de grands changements en vue pour la majorité des personnes. Maintenant, l'attitude à l'égard des captations. Ce sondage a cherché à mesurer si les habitués des salles de spectacle ont recouru au numérique pour continuer à consommer du théâtre, du cirque et de la danse. Les résultats de notre sondage montrent que l'intérêt est faible chez ces habitués pour les captations de spectacles de ces trois arts. Donc, 4 personnes sur 5 en écoutent moins d'une fois par semaine ou jamais. En outre, la très grande majorité démontre très peu d'intérêt pour de telles captations. Mais il y a une exception qui confirme la règle, ce sont les enregistrements de spectacles de musique qui suscitent l'intérêt de près de la moitié des répondants. Donc, tous les arts de la scène ne sont pas égaux pour ce qui est des captations. Pour continuer sur cette attitude envers le numérique, cet enthousiasme modéré envers le numérique est confirmé par le fait que 4 personnes sur 10 songent à continuer à profiter de la programmation en ligne des salles de spectacle après la pandémie. D'ailleurs, quand on demande aux spectateurs s'ils préfèrent assister à un spectacle en personne ou indépendamment du moyen de diffusion, ils sont près de 4 sur 5 à dire qu'ils préfèrent le faire en personne. Pour ce qui est de la préférence des publics, le public des arts de la scène dit tout de même préférer à près de 62 % consommer un spectacle de manière asynchrone, c'est-à-dire au moment où il le désire. Alors là, il y a un petit paradoxe ici. En outre, les habitués du théâtre, de la danse et du cirque disent être prêts à payer le tiers d'un billet pour assister à une production de théâtre, de danse ou de cirque en ligne. C'est une proportion élevée, le 30 % si on compare aux résultats d'autres sondages effectués au début de la pandémie, où le grand public mentionnait plutôt être prêt à payer 10 % du prix du billet pour une captation. Donc, à cet égard, le public qui va régulièrement au spectacle se distingue du grand public parce qu'il est prêt à, en tout cas pour le montant qu'il est prêt à payer pour une captation de spectacle. Mais par contre, au cours de la pandémie, on a vu que le prix demandé par les salles de spectacle qui ont offert des produits numériques a souvent dépassé les 30 %, donc ce que le public était prêt à payer. Et cette information me venait de Frédéric Julien qui a porté ça à mon attention. Maintenant, le retour en salle. Les spectateurs de théâtre, danse et cirque chiffrent leur engagement envers ces arts à 6,33 sur une échelle de 10 et affirment qu'ils manifestent cet engagement à 80 % en achetant des billets de spectacle. Le public de la danse s'est montré sensiblement plus engagé que celui du cirque et du théâtre. Mais une chose qui risque de nuire au retour en salle, c'est que 3 spectateurs sur 10 affirment que la pandémie leur a causé un impact financier susceptible de modifier leur consommation culturelle. Alors, s'il y a un endroit où il faut s'inquiéter pour ceux qui s'occupent des salles de spectacle, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont souffert financièrement de cette crise. Pour ce qui est du retour en salle, la principale raison invoquée pour empêcher un retour en salle est la crainte pour son état de santé ou celle d'un de ses proches.
Pour l'inciter à retourner en salle, le public estime que les stratégies organisationnelles sont aussi importantes que les stratégies sanitaires des diffuseurs de spectacles. Et les trois stratégies organisationnelles que le public apprécie le plus sont diminution de la jauge de la salle, billets remboursables et augmentation de l'espace dans le hall d'entrée. Parmi les stratégies sanitaires, là, on parle davantage du masque obligatoire, on a l'habitude maintenant, en tout temps et pour tous. La disponibilité d'un vaccin, à l'époque, ce n'était pas aussi important puisqu'on a fait ça l'automne dernier et on en savait moins à ce sujet-là. Et le nettoyage et la désinfection accrue de toutes les surfaces de contact. Là encore, il y a un petit décalage puisqu'on sait maintenant que c'est moins important que les aérosols pour la circulation du virus. C'est important de voir que quand on a fait l'enquête, il n'y avait encore aucun vaccin qui avait été approuvé. Donc, on était ailleurs dans le temps. Maintenant, je passe au volet qualitatif. Alors, pour ce volet-là, il y a 8 spectatrices et 3 spectateurs qui ont participé au groupe de discussion. Il y en a 3 qui appartenaient à la catégorie 65 ans et plus, 4 à celle des 50-64 ans et 4 aux 35-49 ans. Et sur le plan géographique, 8 habitaient à Montréal ou en banlieue et 3 en région près d'un centre-ville de taille moyenne. Les groupes de discussion ont lieu dans la seconde semaine de décembre et les prénoms que je citerai un petit peu après sont fictifs pour préserver l'anonymat des participants. Et je vais y aller tout de suite avec les faits saillants de ce volet. Ils sont au nombre de 4. D'abord, sur la question du facteur de protection. Le facteur protecteur cité le plus souvent par les répondants au moment de fréquenter une salle de spectacle est le fait de vivre en région, préférablement dans une région où il y a peu de cas de COVID, plutôt que dans une grande ville. C'est différent de ce qu'on avait vu pour le quantitatif. Et cet élément va revenir davantage que l'âge ou l'absence de proches vulnérables à la COVID-19 comme facteur de protection contre le virus en temps de pandémie. Ensuite, le deuxième facteur de protection qui est souvent cité, c'est le respect des mesures sanitaires dans les salles de spectacle. Et c'est surtout vrai quand le participant ou la participante l'a expérimenté durant la pandémie lors d'un épisode de déconfinement, ce qui est le cas de beaucoup de ces participants au groupe de discussion. Ensuite, le deuxième fait saillant concerne l'engagement élevé des spectateurs des arts de la scène. Cet attachement-là est particulièrement élevé et 3 raisons sont citées par les participants pour expliquer cet attachement aux arts de la scène. Le plaisir de sortir de chez soi, vous allez voir que ça recoupe beaucoup ce qu'on vit pendant la pandémie, la joie de se retrouver ensemble dans une salle et le bonheur de partager ce moment avec des amis ou des proches. Et je pense qu'on pourrait facilement comprendre que l'importance de tous ces éléments-là semble avoir été décuplée par la pandémie. Le poids de ces mesures pourrait être encore plus grand aujourd'hui, puisque plus la pandémie avance, plus on souffre de ces éléments-là. Et les entretiens ont lieu aussi avant l'imposition du couvre-feu. Maintenant, l'attitude envers le numérique dont j'ai parlé tout à l'heure. Les participants des groupes de discussion ont consommé des arts vivants par l'entremise du numérique durant la pandémie. Ils s'en sont montrés satisfaits tout en admettant préférer l'expérience en salle. Et ce sont les circonstances qui les ont incités à modifier leurs habitudes culturelles. La plupart de ceux qui l'ont essayé considèrent donc le numérique comme un substitut valable au spectacle vivant, mais temporaire, car il manifeste avant tout l'envie de retourner en salle. C'est intéressant de le constater. Maintenant, pour ce qui est du retour en salle, cette envie de retourner en salle est non seulement présente dans les propos des participants, mais ils veulent le faire dès que possible, certains estimant même qu'il n'est pas plus dangereux de magasiner que d'aller au théâtre. Des répondants craignent d'ailleurs l'ajout de nouvelles mesures à celles qui existent déjà et qu'ils jugent satisfaisantes. Cette opinion est largement fondée sur des expériences de spectacle vécues durant la période de confinement. Et pour améliorer la venue en salle, en plus des mesures actuelles, quelques spectateurs suggèrent de mieux contrôler les mouvements du public à l'entrée et à la sortie de la salle, ce qui est de plus en plus fait d'ailleurs dans les théâtres, je peux vous le confirmer puisque j'y suis allé récemment. Et pour terminer mon exposé, je vous propose de laisser un peu la parole aux participants pour que vous ayez une idée de ce qu'ils expriment. Donc, par exemple, concernant cette motivation élevée à l'égard des sorties, vous avez le témoignage d'Hélène qui nous dit « Moi, c'est l'enfer, je suis en manque grave, je me sens un peu comme une droguée qui a besoin de son fixe, j'ai l'impression que j'ai besoin de ma dose. » Et là, elle parle de ses sorties.
Et on peut aussi regarder le champ lexical des participants qui vont dans le même sens, que ce soit, on parle de magie liée aux arts du spectacle, d'événements que ça constitue dans une vie, hein, le manque que ça crée quand il n'y en a pas, hein, les coups de cœur qui entraînent l'achat des billets ou encore le plaisir de la découverte qui accompagne ce type de sortie. Hein. L'intérêt envers le numérique va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Par exemple, Daniel n'a pas du tout aimé, il nous dit « complètement cirque, il y avait un certain nombre de petites vidéos, j'ai regardé, c'était des vidéos gratuites parce que je suis membre de l'ATEU, ce n'est pas quelque chose que j'ai aimé. » Le théâtre, c'est en présentiel pour moi. Pour supporter l'industrie, je suis d'accord, c'est une belle chose, mais pour moi, ce n'est pas l'expérience que je désire. Suzanne n'a pas ressenti le besoin de l'essayer. Ça me tente plus ou moins de payer pour quelque chose en Zoom. Hein, Lise n'est pas d'accord. Là, ça fait plusieurs pièces que je vois sur Internet. Pour moi, l'expérience est très satisfaisante. Ça me permet de rester en contact avec le théâtre. Et Marie-Claude est d'un avis similaire. J'ai été surprise, ça a été agréable. On n'a pas l'ambiance d'une scène et de tout cela, mais ça avait quand même bien été. Je me suis dit que j'allais en reprendre. Donc, vous voyez que c'est assez contrasté. Pour ce qui est du retour en salle, André va nous dire « on s'est adapté, on attend que ça reparte ». Marie-Claude, elle, ne voulait même pas attendre d'être vaccinée. Moi, je n'entendrai pas nécessairement qu'il y ait une vaccination à grande échelle. J'étais à l'aise avec les mesures. Monica, elle l'a essayé pendant le déconfinement et qu'elle n'hésiterait pas à y retourner. Et quant à Rita, elle nous explique ceci de la manière suivante. Pour moi, ce n'est pas pire que de me rendre au Costco. On en rencontre du monde aussi quand on y va. D'aller au théâtre, ce n'est peut-être pas pire. Et Gabrielle va y aller d'une comparaison similaire. Juste au Canadian Tire, c'était le free-for-all pour arriver aux caisses. J'ai bien plus d'inquiétude là qu'à la salle de spectacle. En conclusion, j'aimerais terminer avec des constats que l'on peut faire à la suite de cette étude. Les comportements des publics varient en fonction de leur degré d'engagement envers une activité culturelle donnée. Hein, vous avez vu, par exemple, que dans les groupes de discussion, on a vraiment parmi les gens les plus engagés envers ces activités-là, et ça donne le type de discours que ces spectateurs tiennent. Et finalement, les mesures sanitaires rassurent vraiment les publics quant à la sécurité des salles, mais elles réduisent sensiblement le plaisir des usagers, tout comme les captations numériques d'ailleurs. Hein? Donc, même quand on peut aller au spectacle en temps de pandémie, on considère que le plaisir est moins grand et c'est la même chose hein, qui est dite au sujet des captations numériques. Il y a un certain plaisir, mais il est diminué par rapport à ce qu'on s'attend d'un spectacle vivant. Ben, en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vais répondre avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup, Hervé. C'était très, très intéressant. Donc, je vous invite à nouveau tout le monde à lever la main si jamais vous voulez commenter ou à écrire dans la zone clavardage. J'en profite pour commencer avec un commentaire de Frédéric au cours de la présentation qui nous dit que selon lui, c'est assez périlleux d'essayer de prévoir les tendances de fréquentation et de consommation après la COVID quand les choses seront devenues entièrement normales. Et il se demande, est-ce que les nouvelles habitudes développées en temps de pandémie resteront après? Hervé, je ne sais pas, à la lumière des résultats qui ont été recueillis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour ce qui est des gens qui allaient beaucoup au théâtre, à la danse, ou dire que je parle pour ces trois arts-là, j'ai pas de doute que cette fréquentation-là va continuer. D'ailleurs, on le voit ne serait-ce que maintenant, avec des quarts de salle, on peut penser que ces gens-là constitue une bonne partie du public puisque les billets s'envolent assez rapidement pour ça. Par contre, à plus long terme, ce que ça va donner, je ne sais pas. Mais ce que l'étude, en tout cas, m'a appris, c'est à quel point c'est important dans la vie des publics de la culture que ces sorties culturelles-là, et ils sont capables de l'exprimer d'une manière très éloquente. Parfait, merci Hervé. Nathalie, je vous laisse la parole. Oui, juste une petite question. Comment est-ce que vous pouvez réconcilier ce que vous venez de nous dire par rapport au retour en salle avec ce que j'ai vu dans l'étude que j'ai reçue, qui est probablement l'étude globale, parce que c'est portrait des arts de la scène avant et après la pandémie, à la question numéro 22. Si on calcule le nombre de personnes qui disent qu'ils vont aller
ils vont aller en salle plus, on a 13 % et de l'autre côté, les personnes qui répondaient qu'ils iraient probablement moins en salle, on arrive à 20 %. Donc, il y a quand même un écart de 7 % moins qui, en tant que directrice artistique d'un organisme, directrice générale, m'interpelle dans le sens où il y a peut-être 13 % qui vont aller plus en salle, puis 20 % qui vont aller moins, il y a un écart de 7 %. Donc, comment, alors que là, vous venez de nous dire que vraiment, il semblerait que la majorité des gens vont revenir en salle. Je pense que tout ça peut vraiment trouver une explication dans le type de public qui est interrogé. Quand on interroge le public en général, pas ceux qui sont... Excusez-moi, ça sonne en ce moment. Mais quand on interroge le public en général, ça se peut que là, il y ait une diminution. Puis ça se peut aussi que cette façon de considérer les choses soit... influencé justement par tout ce qu'on entend au sujet de la pandémie. Mais ces choses-là, comme on le sait, bougent assez vite. Mais quand on interroge les gens qui ont l'habitude de faire ces sorties-là, puis là, on parle le critère ici est simple, c'est d'aller voir un spectacle par année au moins. Mais dans les études qu'on a, comme ce sont des listes qui nous viennent des théâtres mêmes et de leur public, donc on peut penser que dans beaucoup de cas, c'est plus qu'une fois par année là, où on va voir du spectacle. Ces gens-là sont ceux qui risquent le plus de revenir. Pour le reste du public, je ne peux pas me prononcer parce que ce n'est pas le genre de public que j'ai étudié dans mon étude. OK, merci. Merci beaucoup, Nathalie. Éric, je vous cède la parole. Si vous êtes toujours là. Bon, je vais attendre qu'Éric revienne. De mon côté, j'avais une petite question, Hervé. Peut-être, j'ai pas pu m'empêcher de constater qu'au niveau des personnes que vous avez rencontrées, donc dans les petites rencontres de groupe, qu'il n'y avait pas de gens de ma catégorie d'âge, donc début de la vingtaine. Est-ce qu'il y a eu quand même des résultats à ce niveau-là dans l'étude? Oui, il y avait un certain nombre de participants au volet quantitatifs qui appartenaient à ce groupe d'âge-là, mais c'est le moins important pour ce qui est des gens qui vont régulièrement voir des spectacles de théâtre, de danse et de cirque, probablement parce que les billets sont assez élevés et que les jeunes qui vont voir ces arts-là, ils vont d'une manière un peu moins, comment dire, organisée, c'est-à-dire qu'ils n'achètent pas d'abonnement, ils font peut-être moins partie de ces listes-là. Mais ils existent. On a essayé d'en avoir pour ce qui est des groupes de discussion, mais Claudia Barbara pourra le confirmer. On avait un moins grand nombre de personnes potentielles. Donc, il y a moins de personnes qui sont portées volontaires. Alors, on est allé avec les... Mais c'est assez représentatif de l'âge des gens qui vont voir du théâtre, de la danse et du cirque. Parfait, merci. De manière régulière. Julie, à vous la parole. Merci. Merci pour la présentation. C'est plus un commentaire, là, peut-être une piste de recherche là, plus qu'une question, mais j'ai trouvé ça intéressant de voir la perception du public. Moi, dans l'étude que je mène, je rencontre des artistes et tous ceux de la danse et des arts vivants ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés d'aller vers les captations, là, les trucs filmés. Là, ils disaient que en tout cas, eux, leur perception, c'est que le public n'est pas intéressé. Eux ne trouvent pas ça intéressant. Et là, avec votre étude, ben là, je me rends compte que la perception du public est peut-être différente des acteurs eux-mêmes là, au sein des industries. Donc, ça pourrait être intéressant d'essayer de réconcilier les deux perspectives. Parce que moi, les acteurs que j'ai rencontrés se tournaient plus vers la balado, là, ou le théâtre audio, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas pertinent d'avoir une captation filmée. Mais là, je me rends compte que, dans le fond, les publics seraient peut-être intéressés à voir ça. Donc, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir une étude qui réconcilie les deux perspectives. Oui, ou peut-être qu'il faut aussi se mettre à regarder ça d'une manière un petit peu avec des. Il y a peut-être des segments du public qui sont plus intéressés à ça. Puis, ce qui me semblait, par exemple, dans les captations, moi, j'ai l'impression que le public qui va en salle pourrait être intéressé, par exemple, à des captations de certains spectacles un petit peu plus... des captations de très grande qualité et de spectacles, comme par exemple celui de Robert Lepage qui a été présenté à la télévision durant la pandémie. Que pour ce genre de choses, il serait probablement prêt à payer un bon prix pour ça, mais peut-être pas pour une petite captation de qualité moyenne de spectacle, ou que pour ce genre de choses, en tout cas,
Il semble que la musique populaire en particulier, soit plus satisfaisante que pour les captations ordinaires de spectacle. Mais on n'a pas un grand échantillon là, pour mesurer ça tout de suite. Mais bon, c'est des questions que je pense qu'il faut continuer à se poser. Et je sais qu'il y a d'autres études qui ont montré qu'il y avait une assez grande méfiance des gens qui travaillent dans les organismes des arts de la scène envers le numérique. Je ne pense pas que cette méfiance-là soit insurmontable, mais je pense que ils sont un peu irrités par le fait qu'on leur dise que les arts de la scène devraient se transformer, grosso modo, devraient finir par faire des spectacles autant pour le numérique que pour les spectateurs qui se déplacent en salle. Et là, je pense qu'on peut les comprendre puisque les spectateurs eux-mêmes nous disent que l'expérience est différente et qu'ils aiment l'expérience du spectacle vivant. Alors, parfois, il y a un écart entre les politiques gouvernementales et ce qu'on veut implanter et ce que le public lui-même préfère. Merci beaucoup, Hervé. Merci aussi à tous ceux qui ont participé aujourd'hui. On arrive déjà à 13 heures, donc c'est ce qui conclut notre présentation. Je vais vous repartager à nouveau l'écran pour remercier nos conférenciers. Donc, vous m'excuserez, mon ordinateur n'est pas le plus rapide. Donc, on remercie à nouveau Frédéric Lorrain et William Nichols pour la première présentation et Hervé Gay, Claudia Barbara, Sylvie Trudel et Luc Drapeau pour la deuxième. On remercie aussi les gens qui se sont présentés aujourd'hui pour assister au Midi Recherche et ceux qui écouteront le Midi Recherche en diffusion sur chaîne YouTube bientôt, qui va être disponible bientôt dans les prochains jours. Donc, merci à tous. Puis si jamais, je présume, vous avez des questions sur ces recherches qui sont, ma foi, très, très intéressantes, je crois que Frédéric et Hervé seront disponibles pour répondre à tout ça dans les semaines qui vont suivre. Donc, merci à tous. Oui, puis il y a une bonne partie de ça qu'on peut trouver sur le site du Laboratoire de recherche des publics de la culture. Il y a des données brutes du sondage qui sont disponibles, ainsi que une partie des verbatims du volet qualitatif. Exactement. Merci à tous et toutes pour votre présence et merci, bravo Camille, pour l'animation, encore une fois. Merci à vous. Puis merci Cécile pour la collaboration entre nos deux organismes pour ce midi recherche. Je pense que ça a été vraiment agréable de pouvoir... Oui, à répéter. Oui, et on sera là à diffraction de prisme, là, donc... Je crois que c'est le 27 mai. Oui, au plaisir. Oui, à une prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.